Dès 1190, les capitouls font l'acquisition des terrains à proximité de la limite nord de la ville romaine et de l'entrée du bourg. Ils sont situés entre la rue de la Porterie, place du Capitole, la rue des Imagiers, rue de la Pomme, et la rue de Villeneuve, rue Lafayette. C'est dans cet enclos que naît la maison commune. C'est toujours l'emplacement de l'actuel Capitole, hôtel de ville de Toulouse. C'est là que se retrouve le commun conseil qui réunit les représentants des différentes parties de la ville. Ils sont d'abord 12 puis 24 avant que leur nombre se fixe à 8 en 1438. On sait peu de choses sur l'ancien Capitole constitué de bâtiments disparates avant l'incendie de 1463. Au XVIe siècle, la disparition d'un moulon et l'ouverture d'une nouvelle rue favorisent la construction d'une façade conçue par Antoine Robic. Vestige le plus ancien du Capitole, la tour des archives est édifiée entre 1525 et 1530 pour préserver les archives et garantir les droits des capitouls. Construite non loin des remparts, au moment où pèse la menace de Charles Quint, elle présente une architecture fortifiée avec des murs épais, 3 mètres à la base, et des tourelles d'angle. Au rez-de-chaussée se trouve le petit consistoire. C'est la chambre basse qui accueillait les réunions des capitouls, devenue aujourd'hui l'espace d'accueil de l'Office de tourisme de Toulouse. En 1530, les capitouls font bâtir la tour de la Vis par Sébastien Bourguereau, maître maçon qui a travaillé en Espagne. C'est le seul accès aux parties hautes de la tour des archives. Elle abrite alors un escalier suspendu remarquable avec de larges marches inclinées et des voûtes en berceau rampant. La vis émerveille longtemps les visiteurs avant d'être déposée en 1886. C'est alors que la trace de cette architecture d'exception est perdue. Responsables de la sécurité de Toulouse, les capitouls disposent de soldats et d'armes. Sentant venir des temps difficiles, ils se bâtissent à la fin des années 1550 un nouvel Hostal de l'Artilleria, maison d'artillerie en occitan, à l'est de la tour Charlemagne. Pour l'arsenal, Pierre Levesville édifie en 1612 un portail de pierre surmonté de trophées à l'antique. L'arsenal est pourvu en 1620 d'une façade à tourelles que Viollet-le-Duc considère l'un des monuments les plus curieux et remarquables de la Renaissance dans le midi de la France. L'arsenal est détruit à la fin du 19e siècle, mais sa façade est remontée au Jardin des Plantes. Cette grande salle médiévale servait aux cérémonies, réunions solennelles, réceptions, jeux floraux. Sans doute trop ancienne au goût du maire de l'époque qui s'apprêtait à recevoir Napoléon, elle fut rasée en 1807 en même temps que la chapelle qui la reliait à la tour des archives. Le portail nord, construit en 1552, est aujourd'hui présenté au musée du Louvre. La plus ancienne société littéraire européenne fondée à Toulouse au XIVe siècle récompense les auteurs et les poètes. On leur attribue, lors d'un concours qui a toujours lieu le 3 mai, des fleurs d'orfèvrerie. Les Jeux floraux sont restés au Capitole jusqu'en 1895-1900, date à laquelle Théodore Ozen offre l'hôtel d'Assesa pour y loger les sociétés savantes. Pour relier leur consistoire à la nouvelle façade, les capitouls font bâtir entre le XVIe et le XVIIe siècle ce qui est toujours le cœur de la maison de ville, une cour surmontée de galeries dessinées par Pierre Souffron. Côté est, elle s'ouvre par un riche portail, conçu par Nicolas Bachelier en 1548, auquel on ajoute la statue du roi Henri IV au début du XVIIe siècle. Au sud, l'actuelle salle du conseil municipal servait d'atelier aux peintres de la ville, dont Jean Chalette, qui a peint de nombreux portraits des capitouls qui ornaient la galerie nord.
L'ancienne façade menace en ruine, le peintre et architecte de la ville, Guillaume Camas, est chargé d'un projet de nouvelle façade monumentale qui est construite entre 1750 et 1760. Au centre, les 8 colonnes de marbre rose qui soutiennent le fronton symbolisent les 8 capitouls. Prenant la cour Henri IV comme axe central, elle agrandit de moitié l'ancienne façade et permet la création d'une vraie salle de théâtre au sud. Gouvernant de la ville, les capitouls avaient aussi à cœur de préserver les arts. La littérature, la peinture et le théâtre avaient donc une place de choix au Capitole. En 1736, les capitouls décident de construire un théâtre digne de la ville qui fait partie intégrante de la maison commune. La salle de jeu de spectacle d'inspiration italienne est livrée en 1737. Ravagé par un incendie en 1917, il sera reconstruit et modifié à plusieurs reprises. En 1996, il retrouve l'aspect d'un théâtre à l'italienne qui associe tradition et modernité. Dès la fin du 19e siècle, les grandes salles de réception sont réalisées. Elles accueillent aussi bien les citoyens toulousains, notamment pour les cérémonies de mariage, que des visites officielles qui marquent l'histoire.